sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant le Alléluia, gloire à l'Éternel, le plus haut des cieux, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour, dépendamment. Quand on écoute l'édition Hébreu 13 TV, chaque jeudi régulièrement, à partir de 7h30, ou branché. Et sur l'édition Hébreu 13 TV qui gagne la donne le livre et des livres. Justement pour nous capables de présenter l'enseignement de la parole de Dieu. Nous saluons Sœur Bernadette Mathurin, Sœur Carole Nazaire, nous saluons Sœur Nadia et tous les autres amis qui branchaient émission hein, et qui écoutaient et nous saluons ou même qui ont écouté. Quelle que soit zone où il y a, nous saluons. N'a demandé aux capables partager émission, permettre et frères avec sœurs capables d'écouter. Alors l'édition Hébreu 13 TV chaque jeudi le livre des livres, lui permettent yeux capables d'ouvrir davantage concernant de la parole de Dieu. Toujours gain livre ça avec ou le nous gain enseignement ça. Et bien pratiquement, nous toujours gagnons notre bien-aimé sœur Bernadette Mathurin, qui toujours bénit nous dans yon cantique, n'a pas laissé faire ça, et après quoi, pour les suites nécessaires. Sœur Bernadette, bonsoir, que le Seigneur est capable de bénir. Amen. Bonsoir, sœur David. Dans le plus grand de les cieux, sur la terre et sous la terre, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Nous saluons tous bien-aimés auditeurs du Christ, tous les spectateurs et tous les prédestinés à travers le monde qui fait brancher et qui toujours brancher et qui sont Jésus-Christ. C'est Sœur Bernadette Mathurin du côté de Boston. Nous saluons Pasteur David Turel, engagé de Dieu, pour proclamer l'évangile, la parole puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix intérieure. Moi, salut Robin Benfania à tous les collaborateurs et nous allons prendre un cantique pour la plus grande gloire, le Seigneur Jésus-Christ. Au revoir, l'Éternel. À ta timide de chant joyeux, Jésus sauve aujourd'hui. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui. Apparaît, Jésus t'appelle, répond au loin la nouvelle.
tête, oh pécheur contrit. Jésus sauve aujourd'hui. Que le mal a servi. Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à lui le lointaine, brise du captif la chaîne, réunion que dans la peine. Jésus sort aujourd'hui. Jusqu'au confin des déserts, Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'au par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui. Et de pas à la droite, on se lasse de paroles qui relâchent un souffle. Jésus sauve aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Mon Seigneur, tout auditeur, non, Jésus. Dieu, bon Dieu, béni. Mais c'est cette parole du côté de New Jersey. Jeudi, une grande opportunité pour moi, avec un plaisir, pour qu'on participe à notre travail, bon Dieu. Peut-être qu'on a des paroles de Dieu qui a mis en nous et de nous grandir spirituellement. Bon Dieu, béni. Après une lecture, nous, jeudi, qui finit pour Théronome 28. À partir du verset 15 à 35, Deutéronome 28, verset 15. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta ruche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur sa tête sera d'airain et la terre sur toi sera le fer. L'Éternel enverra pour plus à ton pays de la poussière et de la poudre, et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Et tu seras un sujet d'espoir pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel
et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu t'adonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras plein de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. Deutéronome 28, verset 35 pour finir. L'Éternel te frappera au genou et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Parole du Seigneur. Tu peux nous passer la vie? Et que Dieu te bénisse, Carole Nazaire. Bon Dieu bénit tout le monde qui souligne, la sœur Bernadette, sœur Nadia et Latrier, nous saluons nous. Et nous comptons le fait que nous autour de la table spirituelle pour nous capables de vivre la parole de Dieu. Nous prenons une petite crasse pause et nous retournons pour nous capables d'expliquer aux paroles à eux. Restez branchés. Tu es l'alpha. Et l'Oméga, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'Oméga.
Nous avec vous et pour nous capables de présenter un texte biblique, Deutéronome et chapitre 28 à partir paragraphe 15. Mais qui ça Dieu pas nous mandé pour nous faire comme nous t'avons dit tout à l'heure, nous t'avons dit que quel que soit Dieu que vous prenez, et lui supérieur. Donc c'est lui pour obéir. Si vous prenez un chien comme Dieu ou, donc c'est chien pour obéir. Et si vous prenez un cochon pour Dieu ou, donc lui supérieur, donc c'est lui pour obéir. Mais pour nous-mêmes qui des sauvés, des prédestinés, des électés des avant la fondation du monde, nous pas gain autre l'autre Dieu que si là qui créait toute bagaille. Il y a un Dieu qui mettait toutes choses en existence. Donc c'est avec n'a pas obéi et c'est lui-même qui conduit nous. C'est lui-même qui papa nous qui orienter nous. Yo connaît yo papa li là pour orienter petit. Alors premier peuple que Dieu utilisait comme modèle c'est Israël. Premier peuple qu'il utilisait comme modèle et nous voyons comment les enchérir et comment les châtier. Dieu ça li la poule en chéri nous pour l'encourager nous mais la pour châtier nous tout phase châtiment c'est comme quoi que Dieu ça pas ta droit la donne depuis gain châtiment la donne depuis gain châtier la donne yo voyon l'autre être qui fait. Mais pas oublier. Nous annonçons notamment que pas gagnon l'autre être qui supérieur que Dieu. Sous d'accord, on met poter des commentaires. Sous pas d'accord, poter des commentaires. Moi sur commentaire nous yo et téléspectateur nou yo. Mwen suiv commentaire nou yo, auditeur kap suiv mwen de près. Ça veut dire depuis ou considérer yon n'importe quoi pour Dieu ou li supérieur. Non dit c'est ou considérer yon couleuvre là c'est Dieu li supérieur. Donc pour tous les croyants, mettez ça dans l'esprit nous comme enseignement nous. Dieu pas seulement enchéri nous, mais il châtie nous tout. Il châtie nous pour nous capables rester non, vrai chemin. Maintenant, nous toujours tendez que en pile monde dit Satan le diable fait tel bagaille. Ça veut dire sous bay considération à Satan le diable que ou considérez comme Dieu ou eh bien le supérieur. Donc c'est à vous de savoir. Mais pour nous les sauver, les prédestinés, les élus de Dieu, nous avons seul être suprême, yon seul supérieur, c'est Dieu. Ou pas qu'à prendre Satan qu'on fabrique dans pensée et pour mettre le supérieur. Eh bien, si Satan le diable, c'est Dieu, c'est normal
pour cœur de li, pour croire mais ça le ka fèm, mais ça le pas ka fèm. Mais moun qui expérimenté le vrai Dieu, donc li gon seul vrai Dieu, son seul Dieu qui ka chéri nous, son seul Dieu qui capable châtier nous. L'être suprême moins bouquet d'il pour croyant yo. Donc, en gros, retirer sa rele, Satan le diable, qui ka fè nous. Joun retire doctrine sa, n'a vin ferme. Yon pèl nan nou kap di, men, li nan ekri nan Bible. Eh men, voilà. Nous sommes dit à l'heure que toute la Bible parlait de bord droite et bord gauche l'Éternel. C'est pas parce que l'écrit dans la Bible hein? Et puis exactement Joël là c'est comme ça. Pourquoi elle? Son autre croyance, croyance l'école. Ma l'école, m'apprendre, mais c'est différent de croyance en Dieu. Si nous t'es qu'à capter ça, ou t'as constaté comment on vit fort et puissant. Ça veut dire, Dieu pas gagné ni bon droite, ni bon gauche. Parce que son esprit. Dieu pas gagné ni devant, ni derrière. Son esprit lié. Voilà. Et bien de même tout, être suprême, ça qui son esprit, qui domine sous l'esprit, sous comme, sous namouin. Donc, c'est lui qui pouvoir sous comme, sous namouin, sous l'esprit. Pas d'autre. Doctrine Satan yo ban nou son doctrine fabriquée, son type de peur que yo existe, yo mette dans la vie nous pendant des siècles, pendant des temps. Et béni nous le Seigneur, grand pile monde qui commence à comprendre l'enseignement ça qui lancé à travers le monde, qui commençait à réfléchir d'une autre manière. Comment pour l'autre être exister? Et pour dire que son créature, moi c'est une créature pour le supérieur. Impossible. Seul ça qui est supérieur, moi, c'est si là qui mettait mon existence. Non? L'être suprême, le vrai Dieu, c'est lui qui a droit en chérim, c'est lui qui a droit en châtier, c'est comme papa. Ou. Yo moun ki pa papa ou pa gen droit sou. Il pa gen aucun droit. Donc c'est papa ou qui gen droit pour l'enchérir ou et c'est papa ou qui gen droit châtier ou. Mais ça c'est dans un langage humain. Donc dans un langage divin aussi, c'est la même chose. Et mais voilà. Dieu t'a châtié Israël comme peuple. Parce que Israël t'a toujours quitté loyau. Ça veut dire, t'a gon paquet de loi pour Israël t'a mis en application. Et voilà, Israël pas mis le loyau en application. Ça veut dire, l'Éternel, l'être suprême, pas le diable, mes bien-aimés. Châtier peuple. En ce qui a trait moun qui dit tel bagay rive, jodi a nous comprendre comment en pile bagay commence à diminuer, mais si pas gen prédicateur ça commence à prêcher. Autrefois pas gen moun qui t'a parlé sur YouTube, sur Facebook, tout moun te peut mettre visage yo sur Facebook, sur YouTube. Parce que prédicateur nous yo te konn di nous, l'enal y a prend photo nous, y a le mettre nous en ballon mais je dis, c'est tout le monde. Diable, ça t'a bien pouvoir pour le manger, pour le détruire. À faute,
y a fait croire des subalternes que nous supérieurs yo qu'on y a yo fait yo vin supérieur de nous, donc nous vin tomber dans la peur et puis nous souffrir. Non, au bon seul être qui gagne droit en chéri ou et châtier ou c'est l'être suprême, le Dieu des dieux. Non, Deutéronome, écoutez sa parole l'a dit. Parole l'a dit dans Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la loi de l'Éternel, à Israël l'a parlé, si ne pas obéis avec loi, principe l'Éternel, yo, l'Éternel qui c'est bon Dieu nous, toujours croit ça. C'est pas parce que nous châtier, nous maudit, ou pas obligé, pas parce qu'on châtier qu'il faut maudit. Ça m'a parlé avec peuple de Dieu. Si là yo qui connaît yo sauvé. C'est pas parce qu'on châtier qu'il faut maudit ou maudit à jamais, non. Il y a des châtiments, c'est correction yo. Dieu pas capable châtier petit li à jamais. Non. Ça n'existe pas. Yon papa pas châtier petit li à jamais. Yon papa corriger petit li temporairement pour le capable prendre chemin. Je dis à yon fait nous connaître que si nous pas fait ça, nous pour aller dans l'enfer éternel, nous pour aller bouler dans gros différents. Mais si vous pour aller dans l'enfer éternel, c'est qu'on pas de jambe petit bon Dieu. Combien de temps vous avez dit ou c'est petit bon Dieu? Ou bien des années depuis vous avez dit je suis le fils de Dieu, je suis la fille de Dieu. Mais voilà, dans un jour, yon moun vin di ou que. Donc, on pral boule éternellement. Ou pas de jam petit bon Dieu. Qui rapport petit bon Dieu gagné à boule éternellement? Qui rapport? Alors, le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, toujours pour exemple, ici nous-mêmes. Qui c'est l'homme, nous connaît comment pour nous prendre soin petit nous. A plus forte raison, le créateur de toutes choses qui fait plan pour nous de toute éternité. Connais pas ce frère Mios. Je pas d'accord l'évangile, c'est parce que lui éclairer l'esprit. Donc l'être suprême qui gagne droit pour encourager, me consoler, li gen droit tout sous vim pou châtier me l'aime fait ça l'aime pas dans ligne et c'est pas parce qu'on pas dans ligne qu'il faut pas gen la vie éternelle. C'est pas parce que ou quitter ligne ça veut dire ou gen yon aide ou gen yon conducteur qui a conduit à chaque fois quitter ligne li corriger ou li porter correction dans vie ou pas plusieurs traces, pas plusieurs éléments qu'elle utilisait pour corriger. Israël, c'est vraiment le peuple de Dieu, peuple choisi de Dieu. Dieu relève les enfants d'Israël. Timoun Israël yo. Li dit Timoun Israël yo, si nous pas obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, pas plusieurs. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendra sur toi et qui t'atteindra. Ça c'est pour un ennemi qui porte message là avec le peuple d'Israël. Il dit ton Dieu,
C'est papa petit qui a parlé, mais il parlait, il prévenir sévèrement sous fait ça, mais ça qu'a privé. Pas aucun diable là dedans. Paragraphe 16, il dit, tu seras maudit dans la ville, ou vivre dans une ville, ou maudit, et tu seras maudit dans la campagne. Donc, tout ça, on pourra le faire, on pourra le maudit. Ça veut dire, Dieu pourra le créer pour corriger ou libérer ou de toutes parts pour reconnaître, pour obéir comme Dieu. Ça, c'est le peuple d'Israël. Écoutez ça, il dit. Il dit, Israël, tout ça qu'on pral entreprendre, ta corbeille et ta huche seront maudites. Ça veut dire, tout ça que ou ta gagné comme intérêt, m'a maudit tout. Il est beaucoup clair pour vous toujours. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Il dit, quel que soit où tu aller, m'a maudit, ça veut dire, m'a châtié. Châtiment, bon Dieu, toujours utilisé, soit maladie, épreuve, des tribulations extraordinaires. Pas aucun diable, baka, j'en ou kouel, m'chasse ou baka, pas de rapport. Combien de fois m'a fait émission Hébreu 13, nous m'a chassé diable. M'a pas de rapport avec un être qui, un seul être ben, qui supérieur, m'a fait mon affaire. Comment m'a fait un affaire avec un être qui inférieur? Après Dieu, c'est l'homme que Dieu choisit pour faire porter image li et pour ben, gérer le monde. Comment nous faire venir avec question diabla pour nous prendre tout le temps nous à chasser un bagage qui pas existé pour nous. Je dis à nous constater bagage yo commencé changer, moun yo commencé voir lumière. Autrefois tout a relé maman dans téléphone avant le prendre téléphone là. Faut ta faire signe à quoi comment t'a dit ça? Signe à quoi? Folta en vol par la voix pour pas faire le bébé, pour pas faire le soude, un paquet de bagaille. Le fait que croyance ou bâti de telle chose ou bâton telle croyance comme ça. Donc, il y a des bagailles qui arrivaient par faute de ignorance. Nous tellement tombés dans l'ignorance, dans les ténèbres, bagailles que nous pas droit vivre de yo, ni penser yo. Il a vivé et puis il arrive nous et puis qu'on y a tout le monde prend à travers le monde. Mon cher gonse qui a dévoyé Marie, il dévoyé lettre pour Haïti, la l'île et puis l'aveugle. Je dis à nous qu'à constater l'âge commence à avancer si vous pas mettre lunettes pour faire lecture, mais c'est pas Satan qui est aveugle. C'est bon être sans les Satan pour l'état de un bagage qui est inférieur, ok, mais qui rapport y avec. Si vous avez un bagage qui est inférieur, moi supérieur. Pour faire cas de un bagage qui est inférieur de vous, tout temps, tout assemblée, au jour, chaque dimanche, chaque mardi, chaque mercredi, son question diable, diable a fait, diable a fait, diable a fait, diable a fait. Même béni le Seigneur, en pile monde commence à être clair. En pile monde, l'évangile m'a prêché pendant 15, 20 ans. Des années, donc commencez à venir timidement. Mais on connaît ça tellement de profil la donne. Donc, yo pas voulu éliminer le monde qui a des agents qui ont goûté pour lui, qui ont lutté contre le message et votre résultat TV. Yo ouais lui, mais là, il a goûté, yo bataille, yo bataille, yo bataille, yo bataille. Alors que l'Éternel dit dans paragraphe 20, écoutez ça, il dit. Quand Moïse parlait, il dit c'est l'Éternel même. L'Éternel enverra contre toi. Mes amis, sous peuple bon Dieu, dans quel rapport il y a avec un subalterne?
L'Éternel enverra, le verbe envoyer au futur simple. L'Éternel, ça veut dire le vrai Dieu, l'être suprême, après le voyer contre nous la malédiction avec Israël la palais. Israël pas petit diable. Israël c'est petit l'être suprême non, mais il t'est prévenu. Il t'est gagné un bal avertissement s'il fait ça, mais ça qu'a privé. Au lieu pour moun changer de comportement, il préférer dit c'est diable qui n'a foyer. Oh, ou qu'on loi foyer. Ou ap viva madame ou. Ou te remen. Koun yo al vidavel. Ou pren tout temps. Ou ap frustrel. Ou ap batli. Ou ap kalotel. Ou ap fel basse mise. Et puis un beau jour, li kito li pon lot neg. Mba souhaite ça. Et puis voilà. Jodi yon. Ou vin di se diab ki nan famil. Ki cause ça. Nous toujours gon excuse. Mais bien avant, avant nous t'es ensemble, ça t'est arrivé. Nous t'es bien condition nous que yon pral respecter l'autre, n'est-ce pas? Yon pral gen respect pour l'autre, les nous commencer ensemble et puis l'autre moun prend l'esprit soit madame ou bien mari et puis nous vinn compte yon l'autre et puis voilà nous vinn mettons entité yon un bagay qui inférieur de nous nous dit c'est diable diable a tellement gain c'est comme si ou prend diable a gon bagay tellement supérieur de nous donc toute bagay li gen force passer nous mais côté mien na assemblé son moun vini c'est bagay ça ou vle établi tout quitter aller parce que comment pour un bagay qui inférieur à ou ou fait vin supérieur à ou comment ça me pas comprendre un bagay pour traiter pour gérer ou qu'on précipite telle chose ou violer li au lieu de prendre conscience pour nous dire nous pas violer encore et puis kounyer ou ba yon bagay qui inférieur à ou supérieur nous bal responsable et puis foyer après aller à dégingoler nous dit c'est Satan. Satan nan maman, Satan nan papa, Satan. Je dis à tout le monde, c'est Satan. Bon, m'ap di ou yon bagay, m'pa prophétise, plusieurs fois m'prophétise, m'wè te di. M'de prophétise, m'di gon leur. N'ap cherche assemblée sa yo, nou pa pre yo. Bon, en pile bagay rive, moi m'pa prophète. C'est juste yon humble frère, m'pi m'pale, yon inspiration monte, m'di m'pa prophète, moi. Un humble frère, m'te dit ça. Al sud tant de vidéos m'yo poué. M'a dit l'église, c'est pas l'église yo, c'est pas vrai l'église yo, son mouvement yo. Yo dit à Noël. Au lieu de nous prendre conscience, nous dit ah. Yo dit à l'aime fait yon moun yon bagay, yon frère yon sem. C'est pas jeûner mal doué jeûner, ça pas résoudre dans jeûne. Li pas résoudre dans réveil. Qu'on y a même au lieu nous entendre nous avec un cœur qui sincère pour nous vivre soit dans froyer nous donc nous bail un groupe mon responsable nous dit Satan ça va que nous jamais résoudre donc l'Éternel dit mais moi m'a voyé l'Éternel m'a voyé contre toi la malédiction qui ça malédiction le trouble ou rete kon sa troublé le trouble la menace dans toutes tes entreprises jusqu'à ce que tu sois détruit ça c'est diable mes amis alors même parce que m'ba nous l'évangile là direct là nous pas prendre c'est pour me te ban si m'ta ban menti reading t'ap content t'ap dit un gros prophète là non parole là moi explique aux gens c'est pas diable pas mettre diable Satan le mot Satan gon façon l'expliquer dans la Bible gon façon yo interpréter ça.
après Dieu, l'homme supérieur de toutes choses. Pas gayon être qui supérieur que l'homme après Dieu. Dieu, être suprême, après c'est l'homme. Pour qui ça nous pas marcher avec doctrine, ça pas bon. Pour qui sont toujours voulés inférieurs. Le fait que nous toujours inférieurs, dans tout ce côté nous arrivons, nous inférieurs, nous sentons nous inférieurs. L'homme paraît inférieur. Alors, moun qui pour inférieur. Mba j'en filme inférieur de quoi que ce soit. Why? Pour m'inférieur. L'homme inférieur de tout bagay. Li noir, li ou moun blanc, li inférieur de blanc. Li gen bon cheveux, li ou l'autre nationalité, l'autre nation, gen long cheveux, li senti l'inférieur. Pour qui sont inférieur? L'homme vin tellement baye tête li problème. Toute journée, mande prière. Gon paquet pasteur même qui ou paquet ignorant. Yo vin tout non paquet ongan. A Bible fait moun a prier pour gré. Mais si prier par enfant. Parce que tellement nous instruit moun yo mal. Koun ya yo vin fait tourne ongan. Et pas David. Non. David pas tourne ongan. Pour m'a quitté moun qui rete dans l'ignorance, a fait me tourner un gant, fait me prendre ça, a prier pour ou, je n'aime pas comment pour me prier pour. Le m'a prier pour ou, li pas ka servi mon esclavage, pour m'a prier pour ou, son esclave pour me devenu. Son bagay aussi simple, c'est pas moi qui pral agréer prière là, donc m'a mando en nous rete dans conformité, en prend conscience de état nous et puis bagay yo a changé. L'Éternel enverra, c'est moi qui l'ai lié, presque fini. L'Éternel enverra contre toi qui ça un le trouble, la menace. Et bagay sa yo pour aller dans toutes tes entreprises jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes agissements. Parce que tu mourras abandonné. Parce qu'on quitte les principes que Dieu établit. Yo. Donc, li voye trouble, li voye menace ou tout, jusqu'à ce qu'elle détruit ou. Gen moun ki wè, puisque moun malade, c'est malédiction. Mais non, gen moun c'est Dieu même. Dieu ou le Dieu d'amour. Li châtie ou. Jusqu'à ce que lui quand même retire au sous la terre, mais ça pas veut dire pas petit bon Dieu parce qu'on lui retire au sous la terre. Mais châtier ou, vous comprenez? Jusqu'à ce que soit pour prendre conscience ou bien retirer au sous terre. C'est deux options que Dieu a. C'est soit le châtier ou prendre conscience ou bien retirer ou. Ça pas faire bon, ça pas retirer rien sous bon Dieu. Châtier ou, ok? Jusqu'à ce qu'il réduit ou. Il y a des gens qui réduit à regarder les gens. Et puis nous même qui pas qu'on est à prier. C'est Satan qui a mangé. C'est diable qui a mangé. Abba diable, abba Satan. C'était longtemps. Mais je n'ai pas de connaissance de parole. Paragraphe 22. L'Éternel te frappera à Israël. La parole petit li. À Israël petit li. Il dit, il prévenit, l'Éternel te frappera, l'Éternel, vrai Dieu, l'être suprême, l'Éternel te frappera de périssement, hein, l'Éternel, de fièvre, l'Éternel, qui a fait ça, pas Satan, d'inflammation, l'Éternel, qui a voyé ça, de brûlure, l'Éternel, qui a voyé, de sécheresse, l'Éternel, de rouille, l'Éternel, et de niel qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses, l'Éternel. Bon, mes amis, côté Satan, pour qui ça? Nous fourrer Satan comme yon
être qui supérieur de nous, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait. A ba un dernier texte pour ne pas arrêter dans l'autre texte. Même dans le texte qui montre toute la Bible de Genèse Apocalypse, c'est l'Éternel. L'Éternel remet peuple petit les châtier. L'on pas arrêter dans principe parole, la Bible c'est parole de Dieu. Le livre des livres, li châtier ou, li gen deux options. Li ka châtier ou qui ça? Jean-Well, la fièvre et dépérissement. Tout bagay ka passé dans la vie ou. Tout bagay ka passé dans la vie ou bien li châtier ou jusqu'à ce que ou prend conscience ou même. Ou bien li retirer ou sous la terre. Il y a des moun qui mouri, mes amis, moun sa mouri tout jeune. Mette li, retire l. Oh, mes amis, frère sa, li mouri sans malade, mais mette li, retire l. Period. Mba kon condition, soit, mette li, te mande l pou te rete nan principe parole, l pa rete l'Éternel, retire l. En pile fois, cette fois-ci, suspend. L'on moun mouri, al touye tête nou la ge a tête non. Songe tout. Mbadou pa, ge de moun ou habitué ak li, donc sa ka fò la peine, sa ka nim. Mais le l'Éternel fin fè travay li, son ka fè. L'Éternel di nan parole li, c'est li même qui baye la vie, c'est li pran la vie. Bon son ka fè. Moi même ça m'a encouragé au monde rester dans la crête de Dieu rester dans le monde pas gain crête c'est dernier côté qui arrivé ou pas gain la crête de Dieu on allait dans Jérémie lit tout chapitre 29 la net monde qui voulait inclure Satan yo le monde paraît lui montre où c'est Satan montre ça yo mandé ça mais c'est Dieu que Satan. Pour mon petit li, la châtier pour petit li, koun yon mwa bal non, c'est Satan. Satan qui s'allie li même. Li son être suprême ou bien son inférieur. Li pa même soure le Satan, ça veut dire l'homme supérieur de Satan. Son créature, son arrêt le Satan. L'homme supérieur. Comment supérieur fait peur inférieur? Pour qui c'est pas l'évangile ça nous prend. Jérémie chapitre 29. Ma petite ou là. Jérémie, comme prophète, nous prenons prophète Moïse. Nous prenons prophète Jérémie. Nous apprenons quelques versets. Paragraphe 21. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Sur Akab, fils de Kolaya. Et sur Sédécias, fils de Maséya. Qui vous prophétise des faussetés en mon nom. L'Éternel, l'être suprême, qui a prévenu. Peuple Israël. Si nous tombons dans la fausseté, nous coûter faux prophètes, mais ça va arriver. L'Éternel avertit nous. Il dit, voici, mais ça l'Éternel va le faire. Je les livre. Entre les mains de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était un roi qui méchant. L'a livré nous dans les mains de Nebuchadnezzar. L'a utilisé Nebuchadnezzar. Roi ça yo. Yo te rele gouvernement ça yo là on dit bah ça yo et Hérode 1 Hérode 2 etc ce sont des titres des hommes qui dans gouvernement
pas forcément notre personnage là. Mais Nebuchadnezzar c'est un roi méchant et Dieu dit Israël, si nous coûtez faux prophètes yo, m'a livré nous dans mes rois méchants. Roi de Babylone, il les frappera à mort sous vos yeux. La frappe nous. Qui est-ce qui bail l'autre là? L'Éternel. On prend l'autre texte. Paragraphe 23. Car ils ont commis une infamie en Israël en se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains. Ils ont parlé faussement en mon nom quand je ne leur avais pas donné d'ordre. Je le sais et j'en suis témoin au rang de l'Éternel. L'Éternel dit, mais ça n'a fait, n'a commis infamie. N'a pris femme prochaine nous, qui pas madame nous. Ça veut dire, n'a soulevé querelle. Il dit, l'aide fait ça, mais ça m'a fait moi-même. M'a livré nous. Et bien, Satan, c'est Dieu qui livré. Toute Bible a parlé, histoire Satan, si nous avons corrigé les choses, retiré, pour nous fixer les yeux nous à Dieu, nous connaissons en affaire à un seul être suprême. Le bon bagage qui arrive nous, pas dit son autre être. Parce que passage je mande pour expliquer nous. Moi prier bon Dieu pour moi pour me gagner énergie pour me capable prendre le temps pour me capable expliquer chapitre depuis me gagner santé avec énergie donc n'a capable d'entendre. Mais si nous prenons dans condition chaque fois on bagarre arrive nous que Dieu a châtié nous dit dans ces petites bon Dieu. Nous c'est le fils de Dieu et puis on joue nos petites bon Dieu, on joue gon l'autre être qui gère autorité sous bon Dieu ça passer sous bon Dieu vient frapper nous. Nous elle fait sens. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Tu as envoyé en ton nom à tout le peuple de Jérusalem à Sophonie, fils de du sacrificateur Maaseia. Et tous les sacrificateurs des lettres ainsi conçus, etc., etc. Donc, lis chapitre 29, là, Jérémie 29, ou après côté, c'est l'Éternel qui dit, mais ça m'a fait, mais ça m'a fait, mais ça m'a fait, mais ça m'a fait. Pour tout le monde qui a écouté, édition Hébreux 13, 8, pas prêcher, nous enlever diable là, diable faire. Retirer le plus temps pour adorer bon Dieu. Retirer mouvement diable. Bakaka faire. Parce que tu es le fils de Dieu. Après Dieu, ou c'est ministre de Dieu. Toute autre créature yo inférieure. Pas de aucun autre être qui est supérieur de l'homme, excepté Dieu. Retirez mouvement diable à l'assemblée, mes bien-aimés. Et puis, qu'on enlève doctrine ça, et puis nous focus sur Dieu, nous avons des prédicateurs qui montrent nos concepts bibliques, la parole de Dieu, et pour être fort. Sous vraiment petit bon Dieu, sous vraiment le fils ou bien la fille de Dieu. Focus sur Dieu, l'être suprême, seulement. Et on va, ouais, grandeur li. Le gen bagay qui rive ou pas accuser X, mais ou pas accuser Dieu tout, parce que Dieu est son Dieu de justice. Donc, qu'on y a prend conscience, ou qu'on est que ou gon papa, l'offre bagay, faut qu'il fouette ou, et pour qu'il marche droite. Donc, tout. Pabli, même dit, m'a prêché pour moun qui pape sauvé. Émission Hébreux 13, pas prêché pour moun qui pape sauvé. Sous pape sauvé, sous poko sauvé. Émission Hébreux 13, TV pas pour. Ou pas besoin d'écouter. C'est moun qui gen craint bon Dieu. Qui connaît Dieu, gon plan pour lui. Pour vivre la vie éternelle.
d'éternité en éternité, c'est pour moun sa yon brèche. Ça fait nous pas religion, nous pas baptiste, nous pas adventiste, nous pas absolument rien. Nous observer la Bible. Merci en pile pour tout le monde qui te bon oreille, qui te permet de te lancer ce message là, mot d'encouragement. Pas oublier, seulement croire dans vrai Dieu, à l'être suprême. Après Dieu, c'est ou même ou supérieur de toute l'autre bagaille qui t'a existé sous la terre. Donc, ou gen pouvoir sur vous. Donc, pas mettre l'esprit. Kogon lot ki gen pouvoir sou, non, jamais plus. Seulement Dieu li gen droit pour encourager me, consoler me, et li gen droit pour châtier me qui pas en malédiction éternelle mais justement pour me prendre vraiment route là. Merci pour tout le monde qui t'a écouté. Bonne soirée et à dimanche si Dieu veut pour servir d'adoration et de louange. Merci tout le monde. Bon Dieu bénis nous, passez une très bonne nuit et à la prochaine. Merci à vous, bonne nuit, bye bye. Le premier.